Salut à tous, c'est Daddy Famtech. Je remonte mes manches parce qu'on va faire vite fait une petite vidéo pour choisir quel smartphone pour Noël. Vous êtes en retard comme moi pour choisir vos cadeaux. Vous ne savez pas quoi prendre comme smartphone parce qu'on vous l'a demandé. Vous avez un budget serré. On va faire ça ensemble. C'est-à-dire que c'est des smartphones qui me sont passés dans les mains ou des smartphones que j'ai testés, des smartphones que j'ai eu en test mais que je n'ai pas eu le temps de sortir la vidéo. Et oui, ça arrive parce que des fois, ben, le timing, le calendrier, etc., etc. Donc c'est comme ça, euh, vous allez pouvoir avoir ben, au moins ce retour maintenant. Je ne vous cache pas que j'ai pris déjà un smartphone en main avec mes notes, il hein, n'y a pas trop le choix, sinon euh, je vais me perdre dans tout ce que je dis. En tout cas, à chaque fois, je vous mettrai le lien dans le descriptif de chaque smartphone. J'espère pour vous que ce lien dans le descriptif pourra vous être livré à temps, en tout cas ne traînez pas. Ce sera par tranche de prix, moins de 200, moins de 300, moins de 400, etc. etc. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec les smartphones à moins de 200 euros. Bon, j'en ai sélectionné 3. Il euh, y en a un quatrième qui est en test et qui sort fin de semaine, donc je vais l'intégrer dedans, je préfère le dire tout de suite, comme ça. Voilà, vous aurez un petit spoil sur la vidéo de fin de semaine. Donc pour les smartphones à moins de 200 euros, on va commencer avec le Xiaomi Redmi Note 11. Pourquoi j'ai mis ce smartphone ben, J'ai trouvé qu'en fait, il avait un design qui était classique et efficace, il avait un écran OLED avec une bonne calibration, le volet photo était assez sympa, il avait de bonnes performances pour de l'entrée de gamme, il avait une excellente autonomie, seulement dans les défauts pas de 5G, on a de la photo de nuit qui est pas terrible, voilà c'est un smartphone à moins de 200 euros qu'on va retrouver aux alentours des 179 euros plus ou moins je pense qu'on est quand même dans une bonne gamme de prix. En second smartphone, j'ai choisi le Samsung Galaxy A13. Alors, il a un très bel écran Full HD, il a une très bonne autonomie, il a une prise jack, pas de micro SD, euh, le port micro SD, pardon, et un chariot à double SIM. Cependant, il a une charge excessivement lente, il a un manque de puissance globale, et euh, l'ultra grand angle, ben, en fait, il est juste là pour dire qu'il est présent. Pourquoi je n'ai pas sorti le test de ce smartphone Parce qu'il était en concurrence directe avec un autre smartphone euh, et euh, ben, j'étais pris dans le temps et donc du coup je n'ai pas sorti pour une question de calendrier. Il y avait des choix à faire à ce moment-là, donc je ne l'ai pas sorti, mais je le mets quand même dans les smartphones à moins de 200 euros. Il est aux alentours de 160 euros en général, donc vous pouvez le trouver sur Amazon Marketplace, etc. etc. Je vous mettrai les liens dans le descriptif. Toujours aux alentours des 159,99€, un smartphone que j'ai eu dans les mains mais que je n'ai pas sorti la vidéo non plus, c'est le Motorola E22, un smartphone qui franchement m'a bien plu pour la simple et bonne raison que je vais aller chercher mes notes parce qu'il avait un écran pour un smartphone à 159€, il avait un écran de, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui se fait assez rare. Euh, j'ai envie de dire, il avait un MediaTek Helio G37, un écran euh, donc HD+ en 6,5 pouces. On est clairement sur de l'entrée de gamme, mais j'ai trouvé que c'était assez sympa d'avoir un écran de, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur de l'HD+. On avait une belle petite performance pour de l'entrée de gamme. Donc ce smartphone, le Motorola E22, moi je le mets dans le top des moins de 200 euros à acheter. Petit spoil, un smartphone à moins de 200 euros, c'est le Realme C35 que voici. Je suis en train de le tester pour le moment. D'ailleurs, regardez, j'ai même pas encore enlevé l'étiquette pour faire mes prises de vue. Je suis en train de finir le test et c'est un smartphone qui m'a clairement plu. Euh, il faut l'avouer. Euh, un smartphone à 179 euros qui honnêtement a un design qui claque bien, il a de bonnes, bonnes, bonnes performances, donc pour moins de 200 euros, ce Realme C35, ben, il est très méritant. Euh, je le mets dans le top des moins de 200 euros et sans hésitation, euh, donc vous avez déjà compris, hein, c'est un spoil de ma vidéo de vendredi, mais il a un volet photo qui est assez correct, il a une prise jack, euh, il a un son qui est assez bon, un écran qui est assez bon. Bon, la petite caméra selfie en forme de goutte d'eau, un peu comme sur le Motorola E22, mais c'est des entrées de gamme, on va leur pardonner ce genre de choses. Mais en tout cas, déjà rien que par le design, le lecteur d'empreintes sous le bouton d'allumage et d'extinction qui est présent assez rapide. Voilà, vous avez eu mon petit spoil, ce Redmi C35 m'a bien plu, on était pour les moins de 200 euros, on passe tout de suite aux moins de 300 euros. Pour les smartphones à moins de 300 euros, j'en ai sélectionné trois. Alors il y en a un qui est plus ancien que les autres, je préfère le dire, ben, en fait ils sont quand même tous les trois un peu plus anciens, mais ils valent clairement le coup, ce ne sont pas des smartphones qui sont démodés. On va commencer avec le Oppo Reno 7. Pour moi, ben, c'est un très très bon smartphone que j'avais testé. J'avais noté un design rétro qui était au top, j'avais remarqué une dalle OLED qui était super sympa. Un objectif photo principalement polyvalent. Bon, il n'y avait pas de 5G, mais je trouvais que ce Oppo Reno 7, franchement, faisait très bien son travail. Moi, je l'avais très bien apprécié. Il est aux alentours des 249 euros. Voilà, on n'explose on pas le budget des 300. On a même encore un petit 50 euros pour pouvoir acheter une coque si elle n'est pas fournie, parce que certains euh, vendeurs retirent les coques des boîtes. Mais en tout cas, pour moi, c'est un excellent petit smartphone à moins de 300 euros. Toujours dans les moins de 300 euros, on va retrouver le Xiaomi Red Note 10 Pro. C'est un smartphone qui maintenant commence à dater hein, parce qu'on va avoir les 12 qui arrivent, les 11 sont sortis. Et pourtant, c'est un smartphone qui ne se démote pas, qui a toujours de très bonnes performances, qui franchement fait clairement le taf. C'est un rapport qualité-prix imbattable. Il a un écran, euh, AMOLED, il a un écran pardon, à euh, molette de 120 Hz. J'étais en train de m'embrouiller dans mes notes. Il a une très bonne autonomie. Il a une charge rapide qui est super efficace. Bon, maintenant le truc qui franchement me rebute toujours, c'est vrai, c'est Xiaomi. C'est ce fameux antivirus euh, qui vient analyser chaque fois qu'on installe, etc., etc. Moi, je le mets clairement dans les défauts, mais c'est pas non plus le truc principal qui va vous gâcher votre expérience. En tout cas pour moi le Redmi Note 10 Pro reste une référence dans les moins de 300 euros. Toujours dans les moins de 300 euros un smartphone que j'ai eu dans les mains mais que je n'ai pas sorti le test et je n'ai pas fait de test carrément. Je l'ai juste eu dans les mains pendant une petite semaine. J'ai trouvé qu'il était très sympa, c'était le Samsung A23. Donc vous voyez quand même, Samsung me crache à la gueule, mais je leur fais quand même de la pub, hein, c'est déjà sur deux smartphones. Ils ne m'aiment pas Samsung, hein, parce que je vous le dis, ils veulent même pas me prêter un smartphone à tester. Mais en tout cas, ce Galaxy A23 5G est un très bon petit smartphone à moins de 300 euros, à 279 euros précisément. On va retrouver un très bel écran 120 Hz, un design qui est sympa, hein, il est dans la lignée des Samsung, une autonomie qui est satisfaisante, pas exceptionnelle, mais satisfaisante. Par contre, les performances sont un peu justes. C'est souvent là où Samsung fait des concessions, c'est au niveau des performances. Et c'est bien dommage euh, qu'ils font ça, parce que s'ils mettaient un tout petit processeur un peu plus puissant, leur smartphone en entrée de gamme ben, serait à chaque fois dans le top. Voilà, donc c'est à chaque fois des smartphones qui étaient à moins de 300 euros. Je vous mets à chaque fois le lien dans le descriptif. On va tout de suite passer... Au moins de 400 euros. Alors, pour les moins de 400 euros, j'ai un petit mélange d'anciens et de nouveaux, euh, par choix déjà de même parce qu'ils me sont passés dans les mains. On va tout de suite partir avec le premier, et ça, pour moi, il mérite... Clairement sa place de premier, c'est le Google Pixel 6A. Euh, c'est un smartphone à moins de 400 euros. Alors je vais vous dire son prix précisément. Il est à 359 euros lorsque j'ai regardé sur Amazon. Et pour moi, honnêtement, c'est un smartphone qui vaut clairement son prix. Euh, il a un design qui est franchement top, hein, parce qu'il change des autres. Il est suffisamment puissant, un écran super bien calibré, une autonomie satisfaisante. Il a un volet photo qui est réussi pour moi. C'est ce que j'avais mis, un taux de rafraîchissement malheureusement qui est de 60 Hz. Ça, c'était un petit défaut, mais par contre, il est tellement bien optimisé que ça ne se remarque pas. Donc, souvenez-vous, je l'avais dit dans la vidéo, la luminosité de l'écran est un peu limitée et alors la charge n'est pas très rapide. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, si vous cherchez un smartphone à moins de 400 euros qui fait de très belles photos, eh bien, le Google Pixel 6a est fait pour vous. C'est un smartphone qui, moi, m'avait clairement plu. Maintenant, si vous cherchez, vous, fans de Samsung, c'est un smartphone qui m'est passé dans les mains. Je ne l'ai pas gardé longtemps. C'est le Samsung Galaxy A53 5G. C'est un bon smartphone, clairement, il mérite sa place aussi dans ce petit top. Donc il a un volet photo qui est vachement mieux maîtrisé, maîtrisé que le A52, que j'avais eu aussi dans les mains, mais qui ne m'avait pas plu du tout par contre. L'écran écran AMOLED est de bonne facture. Il a une certification IP67, j'aurais préféré avoir une certification IP un petit peu en dessous et avoir des performances qui étaient un peu plus au-dessus. Vous l'avez compris, encore une fois, Samsung fait... Euh, bah, il va tirer un petit peu sur la puissance pour tirer dans les prix et ça c'est bien dommage sinon ce Samsung A53 5G est un bon smartphone à moins de 400 euros même si moi je l'avais trouvé déjà un petit peu cher à l'époque ensuite on va partir chez Xiaomi alors chez Xiaomi on va prendre le Xiaomi 11T alors certains vont me dire ouais mais il date un petit peu les 12T viennent de sortir je suis totalement d'accord avec vous et pourtant ce Xiaomi 11T fait toujours un excellent travail c'est un smartphone qui ne se démote pas pourquoi parce que Xiaomi à chaque fois sur les modèles de la gamme T mettent le maximum. Ils font vraiment le maximum pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et sur ce Xiaomi Ton 11T, eh bien, on remarquait vraiment cela. Moi, j'avais marqué une dalle OLED de grande qualité. Et ça, on ne peut pas le négliger. Une puce efficace en multitâche et en gaming. Souvenez-vous, hein, on en avait parlé ensemble. Un module grand angle de bonne facture. Il avait une très bonne autonomie. Il avait une charge de 67 watts. Bon, maintenant c'est vrai, il prenait les traces de doigts au dos. Euh, on va pas lui reprocher ça. Il n'y avait pas de port micro SD et l'ultra grand angle était décevant. Mais quand on regarde tout le, le nombre de bons points qu'il y avait euh, pour les plus, eh bien, ce Xiaomi 11T fait clairement bien son travail et pour moi, c'est un grand oui. Pour moi, ben, il vaut clairement le coup dans ce top des moins de 400. Alors, pour ceux qui recherchent un smartphone à moins de 500 euros mais qui vont essayer d'aller tirer vers le haut du panier. Il n'y en a qu'un qui m'est venu en tête. Euh, je n'ai pas été fan parce que on l'a mis trop en avant hein, en le citant parfois tueur d'iPhone, etc. Et moi, je ne le trouvais pas tueur d'iPhone. Ces personnes qui l'ont cité tueur d'iPhone ont ensuite enlevé euh, leur petit titre et tout ça hein, parce que du coup, euh, il y avait euh, les fans qui attaquaient. Mais moi, en tout cas, je trouve qu'il a quand même sa place dans le dans le top des moins de 500 euros pour l'achat de Noël. C'est le Nothing Phone One. Euh, voilà, déjà il a un design qui est différent des autres, il faut l'avouer, hein, il sort clairement du lot. On va avoir un téléphone qui est clairement... Avec de bonnes performances, un bon volet photo. Moi, j'avais remarqué quelques bugs, mais c'est vrai qu'un pote l'a acheté et que depuis avec les mises à jour et tout, beau nombre de bugs ont été euh, supprimés et ça, ça fait super plaisir. Maintenant, on a un écran OLED de 6,55 pouces, du Full HD compatible HDR10+. On a un taux de rafraîchissement adaptif jusqu'à 120 Hz. Donc, vous l'aurez compris, on a un très bon smartphone à moins de 500 euros. Pourquoi ne pas se faire plaisir bah, Moi j'ai envie de dire qu'il ne faut pas euh, avoir peur de se faire plaisir, surtout quand on voit que des fois il s'affiche à du 469, il y a eu des promos jusqu'à 399. Donc je vous mets le lien dans le descriptif pour la meilleure promo que j'ai trouvée. J'espère pour vous qu'il y en aura encore de disponibles. En tout cas, moi, je l'ai mis dans ce petit top parce qu'il était assez méritant. Si maintenant je dois trouver un autre smartphone dans ce top des moins de 500 euros, eh bien je vais mettre le Oppo Findic 5 Lite. C'est un smartphone que j'ai testé, souvenez-vous, hein, j'ai fait la, la, les trois de la gamme Findic 5, Lite, le 5 normal et le Pro. Pourquoi Parce que ce Fanny 5 League m'a clairement plu. Euh, c'est pas le plus ambitieux des smartphones de chez Oppo hein, au contraire, c'était le plus petit de la gamme X5 et pourtant, il ne déméritait pas. Il avait un écran AMOLED qui délivre une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz, on a un capteur principal de 64 mégapixels, on va avoir un capteur selfie de 32 mégapixels, vous allez avoir du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, vous allez avoir un Dimensity 900 avec de la 5G à la place du Snapdragon 888 et ce Dimensity 900, franchement, moi je trouvais qu'il faisait un excellent travail. Ce Fandic 5 Lite mérite clairement euh, sa place dans le top des moins de 500 euros. Alors c'est vrai que Oppo a souvent un positionnement tarifaire un peu haut. Mais voilà, le smartphone est là, la qualité Oppo est là, donc j'étais obligé de le mettre dedans. Enfin moi, je me sentais obligé de le mettre dedans parce que je trouvais que c'était un bon petit smartphone. On passe tout de suite aux 600 euros. Pour les 600 euros, je vais en décevoir plus d'un. Pourquoi Parce que j'en ai pris que un seul. Euh, ça fait partie de mes coups de cœur de 2022. Euh, vous vous en doutez bien, j'ai été à la présentation de ces smartphones et pour moi, ben, ils sont clairement... Dans le lot, c'est le Motorola H30 Fusion. Pour moi, c'est clairement un smartphone qui mérite sa place au moins de 600 euros. Il est à 599 précisément à la FNAC. Euh, si je le trouve encore moins cher sur Amazon, je vous le mettrai dans le lien dans le descriptif. Mais on va retrouver un Snapdragon 888+, 8Go de RAM, 128Go de stockage, un écran 144Hz. Vous allez avoir une batterie qui franchement tient très très bien la route, 50 mégapixels, de l'ultra grand angle. Enfin, on est quand même sur un smartphone qui, souvenez-vous, dans mon test, euh, avait fait ses preuves. C'est un smartphone qui change de design et qui mettait Motorola vraiment beaucoup plus en avant. On sent que Motorola en veut encore plus. Donc j'ai mis ce smartphone unique en dessous des 600 euros. Pourquoi Parce que je vais vous faire une, un petit choix de 600 à 700 euros et c'est tout de suite. Pour la tranche des 600 à 700 euros, j'ai parlé de son petit frère tout à l'heure, parlons maintenant de son plus grand des frères, ils en ont un plus grand, c'est le Google Pixel 7. C'est un smartphone que j'ai eu dans les mains pour pouvoir le comparer au Pixel 7 Pro. Je n'ai pas sorti le test, je ne l'ai pas testé, mais je l'ai eu dans les mains pendant une petite semaine. Et clairement, il est vraiment très très bon. Il est à 649 euros. Vous allez avoir une puce Tensor G2 de chez Google, 128 Go de stockage. Vous allez avoir un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz en AMOLED. Vous allez avoir une charge qui est un peu lente, ça il faut l'avouer, mais vous allez avoir à ce côté de ça un excellent volet photo. Donc, si vous voulez quelque chose qui vous sort des photos oh, que ça va faire waouh quand on prend la photo, c'est le Pixel 7 que je vous conseille vivement. Si maintenant vous avez ce côté frustration à cause des bugs, c'est ce qui m'arrive souvent avec les pixels et que je ne les garde pas, je vous conseille de partir sur un Xiaomi 12T qui, lui, franchement, a une très bonne charge rapide. Il aura un MediaTek Dimensity 8100, 8 Go de RAM, un taux de rafraîchissement 220 Hz sur son écran AMOLED. Donc, vous l'avez compris, c'est un smartphone qui est franchement au de gamme, il est aussi dans cette gamme de prix de 600 à 700 euros. Je vous mets le lien dans le descriptif. À chaque fois que je trouve quelque chose qui est dans cette gamme de prix, je vous le mets dans le descriptif. Pour ma part, le Xiaomi, je l'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça. Vous retrouverez le test sur ma chaîne YouTube pour vous décider si vous en avez besoin. En tout cas, moi, le Xiaomi 12T, il est dans mon petit top des 600 à 700 euros. Maintenant, un de mes chouchous. Alors. Je le dis encore une fois, Samsung, vous ne m'aimez pas, mais regardez, je vous fais encore de la pub. Bon, pourquoi Vous le savez qu'un de mes smartphones favoris a été le Samsung Galaxy S21 Ultra. Et ils ont sorti, comme à chaque fois, en fin de série, un FE, c'est-à-dire le Samsung Galaxy S21 FE. Et pour moi, eh bien, je mets clairement ce smartphone dans la gamme des 600 à 700 euros. Je l'ai vu passer parfois sur Amazon à 531 euros. Des fois, je l'ai trouvé à 610. En tout cas, si maintenant il est moins cher, je vous mets le lien dans le descriptif, dans toutes les promos qu'on puisse trouver, pour la simple et bonne raison que ce Samsung est simplement Très 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 bon, je l'ai encore conseillé il n'y a pas si longtemps que ça à un abonné. Vous allez retrouver un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz de 6,4 pouces, c'est de la moled. Vous savez les écrans de Samsung sont très très bons. Vous allez retrouver une batterie avec une très bonne autonomie. Cependant vous allez retrouver une charge seulement de 25 watts et pourtant cette charge a souvent été critiquée et moi et eh bien à chaque fois. Je n'ai pas eu à me plaindre de cette charge de 25 watts sur mon S21 Ultra que je tiens ici en, en ce moment, que j'utilise un petit peu comme un bloc-notes pour cette vidéo. Donc vous voyez, malgré le fait que j'ai changé de smartphone, hein, que je suis parti sur le H30 Ultra, etc., de Motorola, j'ai toujours mon S21 qui me, qui me sert toujours, tout comme j'ai toujours l'iPhone 14 Pro Max, et oui, j'en je utilise plusieurs pour le boulot, etc., etc. Et donc vous voyez que je ne suis pas euh, dans les mythes. Pour compléter un petit peu cette partie 600-700 euros, certains vont me dire, tu n'as pas les smartphones dans tes mains, comment tu en parles Ce sont encore une fois, comme je le dis, des smartphones que j'ai testés ou qui me sont passés dans les mains. Je n'ai pas les smartphones pour pouvoir vous les représenter en vidéo. Je n'ai pas gardé les plans vidéo simplement non plus. Pourquoi ben Parce que moi, je passe à autre chose à chaque fois et que comme beaucoup de mes abonnés savent, je n'ai pas le temps et je ne peux pas me permettre de garder ces smartphones parce que je les revends aussi vite, parce que je ne suis pas sponsorisé ni partenariat, etc. C'est déjà bien gentil que certaines marques veulent bien me les prêter et que je puisse dire ce que je veux dessus. On va passer tout de suite à la gamme des 800 euros et ensuite ben, on partira sur du plus cher. Dans la gamme des moins de 800 euros, ça commence à se rarifier. Pourquoi? Parce que j'ai dû faire des choix et que j'avais pas envie de traîner ça non plus pendant trois heures. Si je dois faire un choix, eh bien, cette fois-ci, nous allons aller vers la pomme croquée pour le premier. Il est à 759 euros. C'est l'iPhone 13 mini. Vous allez retrouver un form factor compact et agréable. Vous allez avoir des performances de premier ordre. Ça, il faut l'avouer. Il a franchement de très bonnes performances. Il a une autonomie qui est plus qu'améliorée. Malheureusement, on n'a pas d'écran 120 Hz. On est encore sur du 60 Hz. Et ça, c'est vraiment dommage. Cependant, l'optimisation de iOS est tellement parfaite qu'on ne voit vraiment quasi pas la différence. Et ça, ben, cet iPhone 13 mini, pour toute personne qui n'aime pas avoir un gros smartphone dans les mains, mais qui veut se payer un Apple, je vous le conseille vivement. Cependant, vous n'aurez pas de lecteur d'empreintes non plus, ce sera uniquement par Face ID. Et n'oubliez pas, chez Apple, tout est payant et tout est différent. Donc si vous venez d'Android, il faudra un petit temps d'adaptation. Je préfère vous le dire tout de suite. En second lieu, je l'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça non plus, c'est le Xiaomi 12T Pro. Un smartphone qui m'a clairement plu, il faut l'avouer. Pour ma part, c'est un très bon smartphone, ce Xiaomi 12T Pro. Alors, il a une très, de très, très bonnes performances. Un écran de 120 Hz adaptatif, une charge ultra rapide. La photo, par contre, pour du 200 mégapixels, elle est très bonne, mais elle pourrait être encore mieux. On sent qu'avec quelques petites mises à jour, Xiaomi pourrait nous améliorer ce volet photo sans problème. Donc voilà, je l'ai mis dans ce top en moins de 800. Pourquoi Parce que moi je l'ai trouvé jusqu'à 707 euros. Si je le trouve ben encore moins cher, forcément je vous le mets, mais en tout cas il se peut que les prix varient. Vous savez, on est en période de fête, donc ça varie très très vite. Pour les smartphones à moins de 900 euros, je vais en mettre un. Pourquoi Parce qu'il se retrouve parfois dans la gamme 900 000 et dans la gamme, en, en, dans la gamme pardon en dessous des 900. C'est un smartphone encore une fois dans mes chouchous et que je possède. Et qui est excellent, c'est le Motorola H30 Ultra. Alors, il a une charge plus que rapide, il a un écran AMOLED 144 Hz, il a un 8Gen 1. Vous avez un smartphone avec un capteur photo de 200 mégapixels qui s'en sort aussi bien que le Xiaomi 12T Pro et que Motorola améliore au fur et à mesure des mises à jour. Vous avez clairement un smartphone premium dans les mains. Bon, on est à moins de 900 euros. Je vous l'accorde. Parfois, il est un petit peu plus. Moi, je l'ai vu passer des fois à 899 euros. Donc, je l'ai mis à moins de 900. Toutefois, je vous mets le lien dans le descriptif si j'arrive à le trouver toujours à un aussi bon prix. Voilà, je l'ai mis dans les moins de 900 euros avant d'entamer le 900 000 et c'est parti pour tout le 900 000. Dans le 900 000, le premier que je vais mettre, il est au même problème que le Motorola H30 Ultra. Pourquoi C'est-à-dire qu'il est à 899 euros et parfois il monte à un peu plus de 900. Hein, ça dépend à mon avis des stocks. Ils aiment bien nous faire euh, avoir envie, hein, vous savez, les vendeurs. C'est le Google Pixel 7 pro. j'étais obligé de mettre le Google Pixel 7 pro dans ce test parce que je l'ai testé et que le volet photo est simplement époustouflant. je me suis bavé dessus d'ailleurs en le disant pourquoi Parce que j'avais vraiment été subjugué par la partie photo du pixel 7 pro euh, elle est juste parfaite. Il euh, n'y a pas d'autres mots alors même si je ne suis pas un fan, du Tensor G2, pourquoi Parce que très peu de performances supplémentaires par rapport au Google Pixel 6 Pro. On a toujours un écran de, 100, de 120 Hz, pardon. On va avoir une batterie de 5000 mAh. On a une charge qui est très très lente. Mais la partie photo, le retour haptique de l'écran, c'est quelque chose que je n'oublie pas. J'étais obligé de mettre ce Google Pixel 7 Pro dans le top, et maintenant je vais passer au suivant. Et encore une fois. Voyez, Samsung, je fais votre pub. C'est le Samsung Galaxy S22 Plus. Je ne mettrai pas le S22 Ultra parce que j'ai été fan du S21 Ultra, vous le savez, et le S22 Ultra ne m'a pas plus subjugué que ça. Par contre, ce S22 Plus, lui, a clairement fait un très bon travail. C'est un excellent smartphone. Il est clairement méritant, il a une très bonne autonomie, il va avoir une bonne partie photo. Encore une fois, en Europe, on va avoir, malheureusement, la puce Exynos. Vous le savez, on n'a pas le meilleur du meilleur. C'est comme ça. Mais pourtant, ce Samsung S22 Plus est plus que méritant. Donc, j'étais obligé de le mettre. Ce n'est pas un smartphone dont j'ai sorti le test, mais que j'ai eu dans les mains pendant une semaine par un ami, et je trouve qu'il mérite vraiment sa place. Pour la troisième position, je vais parler du Apple iPhone 14. On est en dessous des 1000 euros, et cet iPhone 14, qui a tellement été critiqué, c'est un iPhone 13 rebadgé, etc. Je l'ai testé, et moi, ben, dans mon test, je l'ai défendu. Pourquoi? Parce qu'il reprenait certes des éléments de l'iPhone 13, mais il reprenait aussi quelques petites améliorations, comme un cœur supplémentaire, il reprenait le capteur photo principal de l'iPhone 13 Pro Max, et ça, il fallait le signaler. Alors certes, la différence de prix est minime par rapport à l'iPhone 13 Pro Max, c'est vrai, mais en tout cas, vous avez un petit format avec de très bonnes performances, vous avez un smartphone qui franchement fait très bien le travail. Pour toute personne qui veut s'acheter un iPhone et qui a moins de 1000 euros, donc qui ne peut pas se permettre d'aller plus haut et qui veut quand même le dernier modèle, eh bien cet iPhone 14, moi je le recommande. Que n'en déplaise à certains, moi en tout cas, je l'ai bien aimé et j'ai préféré le défendre. Voilà, ça c'était le top pour en dessous des 1000 euros. Maintenant, parlons de la gamme au-dessus des 1000 euros. Pour les riches, pour les très riches, pour les ultra riches. Pour ceux qui n'ont pas peur de dépenser de l'argent, pour ceux qui sont complètement tarés, pour ceux qui vont faire un crédit. Enfin, vous l'aurez compris, on va parler de tout ce qu'il y a de plus cher. Mais mon préféré cette année, je dois l'avouer, celui qui mérite le nom de smartphone de l'année, pour moi, c'est le Oppo Find X5 Pro. Euh, le travail qui a été fait sur ce smartphone était clairement, mais clairement, le meilleur travail qui a été fait. Pourtant, vous le savez, j'adore Motorola. Ce H30 Ultra m'a vraiment bien plu. Mais ce Find X5 Pro, il faut l'avouer, Oppo a montré ce qu'il savait faire. Il a montré tout son savoir-faire dans ce Find X5 Pro. Donc, pour moi, je l'ai mis en smartphone préféré. Attention qu'il y en a qui sont juste derrière en train de le talonner. Mais voilà, donc je vous conseille au-dessus des 1000 euros le Oppo Find X5 Pro en premier avec un excellent écran, une excellente autonomie, une très bonne autonomie, on ne va pas exagérer non plus, mais on va aussi avoir une partie photo qui est juste saisissante. Euh, Souvenez-vous des photos macro que j'ai fait, des trucs vraiment microscopiques que ce Oppo a fait. Et voilà, il mérite clairement sa place. Maintenant, toujours au-dessus des 1000 euros, bon, euh, encore une fois... Je vais vous parler de la pomme croquée. Hein. Si vous n'avez pas peur de dépenser de l'argent, je vous conseille aussi ce iPhone 14 Pro Max que j'ai utilisé, que j'utilise encore là. Pourquoi ben cet iPhone 14 Pro Max, même s'il est beaucoup critiqué par les fans Android, moi, je trouve que c'est un très bon smartphone avec une excellente autonomie. Il est clairement imbattable dans le haut de gamme. Son autonomie est juste parfaite. Sa partie photo, elle est juste parfaite. Il fait de très bonnes photos. Ne venez pas me parler. Oui, mais il l'autre, il fait un zoom x 1000 x dix 10 Je m'en fous des zooms. Parce que pourquoi? Parce que si je veux partir sur du zoom, moi, je prends un appareil photo comme j'ai là en face de moi ou un bon gros réflexe. Parce que c'est avec ça qu'on fait du zoom et pas un smartphone. Donc à partir du moment où vous allez avoir un zoom qui est correct jusque x10, voire x15, pourquoi en demander plus? Ça reste un téléphone. Et l'iPhone 14 Pro Max est un très bon téléphone. Il faut l'avouer. Encore une fois, on va lui reprocher quoi? Une charge qui est merdique. Hein, il faut l'avouer. On va lui reprocher aussi ce port lightning qui est merdique. Il faut l'avouer. Et on va lui, rechar... lui reprocher que sa charge elle est plus que lente et c'est juste un scandale d'avoir une charge aussi lente. Mais en tout cas, voilà. Si un dernier point, ben vous, vous êtes un, un client averti. Hein, vous savez que quand vous achetez un iPhone, c'est un monde très fermé. Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Hein, comme beaucoup me demandent dans les astuces, ça je ne peux pas faire sur iPhone. Eh bien non, vous ne pouvez pas le faire. Mais au moins, vous êtes averti quand vous l'achetez. Voilà, nous étions au-dessus des 1000 euros. Je pense avoir fait mon meilleur top. Je voulais vous en parler pour vos choix euh, de fin d'année. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le, la prochaine vidéo sort demain. Salut Bon, allez, je fais une petite partie bonus parce qu'en fait, j'étais en train de monter ma vidéo et je me dis, j'ai oublié quelque chose. Et en effet, j'ai oublié les smartphones pliables. Et euh, ben, moi, j'ai mon chouchou. Euh, C'est le Motorola Razr 2022 ou Razor, je sais pas comment vous l'appelez, moi j'appelle Razr 2022, voilà. En tout cas, pour ma part, il reste un des meilleurs smartphones parce que comme vous pouvez le voir, regardez, je joue avec la lumière, on voit très peu le pli et pourtant Dieu seul sait que je l'utilise. C'est un smartphone qui est clairement au-dessus des 1000 euros, donc la partie bonus vient bien prendre sa place. Mais en tout cas, il est vraiment le vrai challenger du euh, Samsung Galaxy Z Flip 4. En plus de ça, bah, il est très compact. Donc, personnellement, moi, j'ai bien apprécié ce petit smartphone. Hein, vous vous souvenez du test, forcément. Et en fait, j'étais en train de me dire en montant la vidéo, j'ai oublié un truc. Je vais faire ce petit truc à l'arrache, filmé au smartphone. Donc, si vous avez un son différent, c'est normal. Les pièces chez moi sont très grandes, plus de 3 mètres de haut. Ouais, je ne vis pas dans un palace, mais par contre, je vis dans une énorme vieille maison. Hein, Peut-être qu'elle est hantée, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, regardez comment. Hop là, j'ai même encore le spot qui est là pour me donner un peu de lumière. En tout cas, voilà, c'est la partie bonus. Et euh, cette petite partie bonus me donne peut-être une idée. Il faudrait que je retrouve tous euh, les ratés de mes vidéos pour les intégrer dans une petite vidéo de fin d'année. Allez, le Motorola Razor 2022 au-dessus des 1000 euros. Je vous le mets aussi dans le descriptif pour les cadeaux de Noël, au cas où bah, vous êtes dans les très très riches. Salut